auparavant plutôt, on était combattants. Mais aujourd'hui, nous sommes des bâtisseurs. De la paix alors. Parce que là, nous avons déjà créé des relations avec les civils. Ils n'ont plus peur de nous. On s'attaquait aux groupes armés étrangers qui venaient ravir nos biens ici et nous laisser ça travail. C'est parce que suite au manque de travail, quand on a ravi tes biens à la maison par des groupes armés là, étrangers, vous finissez à participer à un mouvement insurrectionnel local afin de combattre ces gens. Donc c'est une vie là, une vie de peine, une vie sans espoir. Mourir, à un moment donné, on peut venir et vous tuer, c'est fini comme ça. Si quelqu'un veut se rendre, il peut contacter ses numéros verts. Et on appelait souvent et on parlait aux agents de la MONUSCO de radio, au CAPI. Et ce sont eux qui nous guidaient alors. Ils disent que non, bon, vous pouvez quitter, arriver telle part, il n'y aura pas de problème et venir vous récupérer là où vous êtes. On était payé régulièrement. C'est après qu'on c'est acheter la boucherie et acheter de la viande de la vache et de la chèvre. Et les raisons qui m'ont poussé aussi de laisser la brousse, c'était pour scolariser mes enfants, afin qu'ils soient aussi futurs cadres du pays. La situation vraiment sécuritaire chez nous, elle n'est pas totalement bonne. On kidnappe les gens, on pille les gens, ça crée l'insécurité totale. Particulièrement, j'aimerais aussi que ceux qui sont encore à Brousse, qu'ils reviennent à la raison, parce qu'il n'y a aucune personne qui doit vivre à Brousse dans son propre pays, parce que le pays nous appartient tous. La paix pour moi, c'est vivre ensemble avec des objectifs qui doivent aboutir à des résultats meilleurs.